Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carpe Division. Aujourd'hui, on vous présente 10 vidéos immanquables sur la pêche de la carpe. Sur YouTube, t'en as des milliers. On vous envoie dans la face la sélection de Carpe Division. Enfile tes lunettes polarisantes, tu vas en prendre plein les yeux. Installe-toi, c'est parti. Depuis gamin, on mate des vidéos de pêche. À l'époque, c'était en cassette VHS. Et c'est là que tu te rends compte que t'es un putain de vieux. Dans cette sélection, il y aura de tout. Du petit étang, du lac, de la rivière, des vidéos méga longues, des vidéos méga courtes. En français, en anglais. Of course, with subtitles. Non mais ne fais pas style que tu parles anglais. Oui, surtout que des fois, il y aura des subtitles, des fois, il y aura pas de subtitles. Lâche ton pouce pour nous donner de la force. Parle de cette chaîne à ton gars, à ta meuf, à tes potes. Partage-la sur tes réseaux. À chaque fois, je te mettrai le titre de la vidéo, le nom de la chaîne. Et bien sûr, en description, tu pourras retrouver tous les liens des vidéos que je vais te présenter dans cette vidéo. Histoire de se chauffer, en introduction, nous allons partir sur un mini clip de pêche. Bête de son, bête de montage, bête d'image. Tu te mets cette vidéo en plein écran, en full HD, casque sur les oreilles. Ça va te booster à prendre tes cannes et partir au bord de l'eau. Tu veux du drone, tu veux de l'eau à perte de vue, tu veux des zodiacs, tu veux sentir l'odeur de l'essence. Cette vidéo, elle donne juste envie de partir sur les grands lacs. Allez ! Dans la vidéo qui suit, nous partons loin de tout. Enfin, on part pas loin de tout, on part loin de tout. Le gars, il part sur une petite rivière en mode canoë, en mode ultra light. En deuxième partie de vidéo, il se barre pêcher des eaux bien sauvages en Espagne, en mode on boit l'eau du lac, on bouffe des écrevisses. Pur mood, pur esprit. Marco et moi, on a adoré cette vidéo. Ce qui me plaît particulièrement dans ce type de pêche, c'est qu'on est aux antipodes du carp fishing comme on le conçoit généralement, avec beaucoup de matériel, avec une logistique de fou. Très 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 lourd cette vidéo. Allez, on revient en France. Et c'est sûr, tu connais les vidéos DVD en session avec Fox. Le volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais même plus combien il y en a. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté. Si je dis une connerie, dis-le moi en commentaire. Les pêcheurs, c'est des machines. Ils mettent en place une pêche assez spéciale qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est pour ça qu'on a adoré cette vidéo. En plus, il y a du gros steak. Il y a tout dans cette vidéo. Ça se regarde sans fin. Fais, ouvre, ouvre. L'avantage de faire ça, c'est que Mathias va récupérer la ligne. Vas-y, mouline ! Mouline ! Et là, tout de suite, le corps de ligne et le bas de ligne se plaquent tout de suite sur les algues. C'est très pêchant. Bon, maintenant, j'espère que tu as été studieux à l'école, que tu as révisé tes verbes irréguliers. Cette fois-ci, cette vidéo vous emmène sur un lac mythique, le lac du Der. Là, je lance l'alerte vidéo sans sous-titres, mais franchement, t'as pas besoin de sous-titres, t'as pas besoin de parler anglais. On n'a pas le même langage, mais on a le même maillot. On parle carpe, on parle pêche, une petite pêche au calme. Enfin, au calme, il y a de la vague. Bref, ils s'en branlent, ils sont en couple, ils sont bien, à deux, sous un bivy, peinard, au calme. Le lac du Der et plus encore, on regarde ça tout de suite. Très bien. The best times. La superstar anglaise dans le milieu du carp fishing, Alan Blair, nous amène en Slovénie avec du sous-titre cette fois-ci. C'est très bien sous-titré, donc pas de problème. Départ sur départ, c'est de la bombe. Tu la regardes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu t'en lasses vraiment pas. Des passages vraiment épiques, des fiches de fou. Allez, encore une, mais c'est la dernière. Vidéo en anglais, t'es relou. Et encore en mode sous-titre, mention spéciale pour cette vidéo, on va parler du lac de Saint-Cassien. Vous connaissez tous, c'est la mecque du carpiste. Cette vidéo, c'est vraiment un régal, c'est pas une vidéo comme les autres, c'est vraiment une histoire racontée, du vécu, des sentiments, des émotions. Vraiment, je te la conseille, faut que tu la mates si tu l'as pas encore vue. Go!
on reprend nos émotions. Là, la série de vidéos, c'était du lourd, du très, 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 très lourd. La pêche est pas toujours comme on le souhaite. Des fois, t'as envie de te jeter à l'eau. Cette vidéo, on l'adore pour ça, c'est-à-dire que tu laisses pas tomber, c'est la pêche. Mais tu te remotives, rien n'est perdu. Derrière, boum, dame nature te gâte. Là, en gros, en une demi-heure, je suis en action de pêche au bord de la rivière. C'est souvent comme ça, moi je suis très très mobile. Si la première nuit j'ai pas fait de touche, je bouge. Je reste jamais 48 heures au même endroit. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai pris un capot. Pourquoi tu fais ça? On vous a présenté 8 vidéos, il en reste 2. Ça va être des séries. La série désormais classique des lifestyles de Bruno Médou. C'est un petit bonbon qui se déguste tout seul, qui passe comme une lettre à la poste. On adore. Quand il y a un lifestyle qui sort, c'est toujours un plaisir d'aller mater. Il y a du fish. Ok, on y va. Voilà, je pense que je vais passer un petit moment à essayer d'en prendre un au stalking avec une petite canne. Donc ça s'annonce vraiment sympa. Je prépare ma ligne et on va essayer de prendre un poisson en direct. Donc je vais essayer de pas du tout faire de bruit. Me faufiler. On reste sur les séries de vidéos, on passe de Corda à Fox avec les vidéos Une nuit avec Nico. On adore. Il va pêcher des rivières bien sauvages, il va pêcher des petits étangs qui sont vraiment pas pêchés. Petite nuit avec Nico, les petits 24 heures rapides, c'est bien filmé, c'est propre, ça pêche, on en veut plus. Donc voilà, le cadre est super sympa, c'est une pêche d'obstacle, on est dans la roselière, dans les waders, tout ce que j'aime. Donc voilà, je vais m'activer à mettre toutes mes cannes en place et à essayer de prendre un poisson. Et voilà, la sélection des 10 vidéos immanquables sur la pêche de la carpe est finie. J'aurais pu en prendre 100, j'en ai choisi que 10. Dans les commentaires, n'oublie pas de me mettre toutes les vidéos que j'ai pas citées et que t'aurais aimé que je cite. Dans la sélection, on n'a pas rentré de vidéos de pêche de barrage. C'est bien dommage parce que pêcher du barrage, pêcher du gros rocher, de l'arbre immergé, franchement, c'est lourd. Si tu trouves que Carpe Division, ça déchire, eh ben, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et toutes ces vidéos, je veux que tu les mates à la pêche. Pas tranquille chez toi, posé dans ton canapé avec ta couette au chaud. Parce que garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.